She's a Mona Lisa. Hi guys. What's up? Okay. Il est 7h du matin, lundi. Et tu vas passer la semaine avec moi. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait un vlog, genre toute la semaine. Y'a pas avoir des crampes aussi douloureuses, là je sais, je suis pas enceinte. Hein. Je vais me préparer pour partir au bureau. Aujourd'hui je passe la journée au bureau. On va pas trop se parler, mais je te montrerai quand même quelques scènes au bureau. J'espère que t'es prêt, parce que vraiment ça va être une belle semaine. Let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this sunroof. I'm blasting. Great, I'm here to pick up a book that I ordered. Yeah. It's called Twisted Love. Oh, I think you mean my name, right? Yeah, it's okay. Okay. Oh, wow, we got the second one too. Great, perfect. I just think that one's a bit bashed. That's okay. Are you sure? Yeah. No, don't mind. Okay. Maybe don't mind. Thank you, though. Thank you. Have a great day. Du coup, j'ai récupéré mes petits bouquins. Je suis trop contente. Je suis désolée, j'ai pas pu parler au début de la vidéo, mais bon, au cours de la journée parce que j'étais au taf. Bref. Et du coup, là, on repart à l'appartement. Je suis désolée pour le bruit aussi. On repart à l'appart. Pourquoi? Il faut que je prenne une douche, que je me lisse les cheveux, que je mange, que je fasse ma valise. On part demain matin à 8h du matin. Pour Amsterdam. J'ai un voyage presse là-bas pour les 3 jours qui arrivent. Donc franchement, j'ai trop hâte. C'est une nouvelle équipe, des personnes que j'ai jamais rencontrées, donc ça va être trop cool. Et je t'en mêle avec moi parce que voilà, anxiety issues. Je vais me changer, mettre mon pyjama dans 3, 2, 1. Voilà. Le programme, c'est que je vais manger et rentrer prendre une douche, me lisser les cheveux, faire ma valise. Et dormir. Oh. Et manger tranquillement. I'm getting carpal tunnel syndrome. I got it. Diamond neck. Hey, tell me what. Whatever has happened at that party you got roped into tonight, I told you. Voilà. Je suis toute propre. Je vais utiliser la première brosse de chez Dyson. Celle-là, je ne l'ai jamais utilisée en vrai. Et ensuite, je vais utiliser la brosse soufflante. Mais là, c'est juste surtout pour sécher. Le temps de finir. J'arrive. Voilà. Allez, go. On se dit à demain. Alors on vient d'arriver à Amsterdam, on va prendre un taxi pour partir à l'hôtel. Et en fait on est à Amsterdam parce qu'il y a le Palace Conservatorium qui nous a invités pour les 2 jours. Trop hâte. J'ai failli me faire bousculer par un vélo. Je n'aime pas les vélos. Allez, go. On est arrivé à l'hôtel. C'est tellement beau. On va manger et après on fait le checking.
Et je vais manger en 30 minutes puisque à 14h j'ai un call avec mon avocate, donc je vais manger speed. Et je parle dans un restaurant, je suis en train de vlogger, tout le monde me regarde, mais est-ce que... Je le fais pour toi. Franchement, je le fais pour toi. Oui. Ok. Ok, bah je vais voir avec eux. Bateau. Ok. Le spa, le massage. Oh. Oh God. So you got a room on the corner. It's amazing. Je sais même pas par où commencer. On est arrivé dans la chambre. C'est pas une chambre. C'est la chambre. Attends, je te montre. Attends, tu vas être sur le cul. Tu rentres par la porte juste là. T'as une vue magique. Alors de ce côté-là, à ta droite, t'as la salle de bain. Regarde-moi cette baignoire. Oh là là. Là t'as une douche aussi en plus. Là t'as les toilettes. Tout est marbré, c'est tellement beau. Ensuite, petit coin café. La vue. Sur la rue marchande. Allô? C'est des trucs que je vois que dans des films. Hein. Là, il y a un espace, genre living room, avec télé et tout. Ah, oh, ils sont trop mignons, ils ont mis un petit gâteau. Et là, en fait, tu montes. T'as des toilettes encore juste là. Un miroir, because we need the outfit. Et t'as le lit. Avec une télé. Il y a une télé. Oh my god, je vais pas dormir en fait. Je vais pas dormir, j'ai envie de tout faire et profiter de tout. Et donc, je vais sortir marcher un peu. Parce que franchement, je suis à Amsterdam, quoi. J'ai envie de profiter au maximum. J'ai envie de profiter de l'hôtel, parce que voilà, c'est un pet d'hôtel. Et franchement, si jamais t'as les moyens de t'offrir une nuit là, fonce. Parce qu'il est canon, franchement, trop trop beau. Il s'appelle le Conservatorium. Il est vraiment au centre d'Amsterdam. Et tu peux tout faire à pied. Il fait super beau, donc je vais m'habiller et je vais sortir. Et je vais sortir. C'est quoi cette vue? J'ai eu trop de chance en fait d'avoir été mise là. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do 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 do. You can drive all night.
seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all, I followed you into the hall. Cigarette. J'ai trouvé un petit spot pour faire des petites photos. Je me suis mise en robe, tabou, et j'ai fait des petites photos. C'est trop beau, il y avait une petite vibe à la Serena. Tiens, genre là, je me suis mise là. Attends, je vais me mettre. Tiens. Franchement, j'aurais dû apporter plus de tenue. J'ai pas apporté la masse de tenue. Donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. C'est une belle journée productive. J'ai créé la masse de contenu et je dois continuer. Et là je passe etc. Et il y a mon et qui quand comment. On a fait une petite séance en spa, un petit cours de yoga. Et là je me suis changée, je devrais repartir faire un petit tour dans la ville et peut-être m'acheter quelques petites affaires, genre un petit shopping, un ou deux trucs. J'ai pas non plus déconné, mais voilà. On a un dîner ce soir. Je suis sortie m'acheter une petite robe parce que j'avais rien apporté. This is the look for tonight. J'aime bien. On dirait que je dîne dans Obama. Bon, en tout cas, ça s'est très bien passé, je suis très contente. On est parti avec vous, c'est vraiment super. Alors, on est arrivé à Paris. Il est 19h. J'ai déballé quelques colis. Trop cute. Puis l'organe m'a envoyé un petit paquet avec plein de produits. Et avec une petite pochette trop cute. Et je viens d'essayer leur... Le premier truc que j'ai ouvert, c'est un truc qui est repulpant pour les lèvres. Genre un filaire. Je suis fatiguée. J'ai faim. Mais j'ai un événement. Donc il faut que je me change et que j'y aille. Parce que là, je suis en mode un peu... c'est pas très événementiel, mon truc. Donc, je vais me changer et je vais sortir. Change un peu de la gueule qu'on avait tout à l'heure, mais bon, je suis rentrée, il est 1h du matin et demain je me réveille pour partir au bureau, donc ça va être assez intense le réveil. Mais ce soir c'était trop cool, franchement j'ai revu les copines à l'événement de Lancôme et après j'ai revu ma cousine, c'était pas vu depuis hyper longtemps, franchement j'étais contente. Donc là go dodo pour se réveiller. Franchement, mascara, j'arrive jamais à me démaquiller correctement. Je pars dormir pour me réveiller demain tôt. À demain. Bon, je me suis réveillée, je me suis chauffée pour ranger un peu tous les vêtements. Comme ça, je vais être tranquille quand j'ai rentré ce soir. Je vais peut-être passer l'aspirateur vite fait avant de partir au bureau. Allez, go. Il fait beau, il y a un bête de soleil. Les petites coulisses. Comme tu peux le voir, je suis habillée, maquillée, je suis prête, je pars au bureau. Un joli soleil, il fait un peu froid quand même, j'espère qu'il va faire un peu moins froid tout à l'heure. Voilà. Petite robe rouge, petite basket, petit sac rouge. Ah, et aujourd'hui, c'est pas dit, aujourd'hui il y a Thor, le nouveau Thor qui sort. Donc j'avais déjà réservé mes places pour le ciné, genre il y a
2-3 semaines, je pense. Trop hâte. Excellence. Ouais. Oh, on peut devenir une superstar. Oui, c'est le moment, les fils. On est en train de passer une commande pour déjeuner. Elle a pris quoi? Du riz. Du basmati. Je t'explique ce qui s'est passé hier. J'ai oublié de vlogger. Ça arrive, hein? Je suis rentrée du bureau. By the way, rien à voir, mais l'écran d'Arfin. Je sais pas, on prononce Darfin, Darfin, je sais pas. Tuerie, je l'aime trop. Je suis rentrée hier du bureau et direct, je me suis changée et je suis partie voir Thor. Parce que hier, c'était l'avant-première de Thor Love and Thunder. Cours le regarder, parce que franchement, j'ai tellement rigolé. Regardez, je vais pas spoiler non plus. Mais aujourd'hui, programme de la journée, c'est assez simple. J'ai un rendez-vous chez mon dentiste pour les gouttières. J'ai un bouton là qui a fait surface. Bonjour. Ok, bonjour. Pour mes gouttières. Franchement, pour les gens qui pensent à faire des gouttières. Parce qu'en fait, moi, je t'explique. Quand j'étais partie chez le dentiste, il m'avait dit faut mettre des bagues. I was like, sweetie. Non. L'alternative, c'était les gouttières. Je vais essayer de te remettre une vidéo où tu vas voir mes dents avant et après. Mais tu vas voir déjà la grosse différence là. Genre le bas, c'est fou. Franchement, les gars, j'aime bien ce petit vlog comme ça. Là, on passe une petite semaine ensemble. On papote, on tranquille. Est-ce qu'on ferait plus de petits vlogs une semaine de vlog? Est-ce que ça te chauffe ou pas? Ça te dit ou pas? Dis-moi dans les commentaires si t'es chaud. On se disait programme de la journée. Donc dentiste. Ensuite, je vais me poser dans un petit café Starbucks pour prendre déjà mon petit déj et taffer toute la journée. Bah, pour faire déjà le montage de cette vidéo, répondre aux mails, checker ma comptabilité. Comme un samedi, quoi. Normal, tu taffes. Et le soir, j'ai un petit événement. Je vais y aller vite fait. Je t'emmène avec moi. Je ne sais pas si tu l'as marqué, mais j'ai pas fait de sport du tout cette semaine. Genre, du tout. Et des semaines, c'est comme ça en vrai. Des semaines, j'ai pas le temps, j'ai la flemme. Quand j'étais à Amsterdam, je voulais vraiment profiter d'Amsterdam. Je me suis dit, vas-y, quand je suis rentrée à Paris, je suis rentrée le lendemain, boulot, travail, après soirée, machin, j'ai pas eu le temps. Je vais essayer quand même de faire une petite séance, soit aujourd'hui, soit demain, soit les deux, si j'arrive. Et j'ai l'impression que si je fais pas de sport une semaine, j'ai tout perdu. Le travail de 2 ans, c'est parti. Je montre l'outfit of the day. Petit pantalon comme ça, là. Je vais mettre des petites sandales et... Allez, on y va. Regardez mon sac pour la journée, il y a tellement de trucs. Franchement, j'étais assez tranquille à bosser. J'ai commencé à faire mon montage et j'ai une envie de faire du sport. Mais genre, j'ai eu envie de faire du sport. Du coup, je me suis levée, j'ai pris le métro, je suis revenue là, faire ma petite séance de sport et après, je vais faire le montage. Même si je dois finir toute la soirée, je m'en fous. Mais j'ai envie de faire du sport. I need to fucking lift something. Tu vois, j'ai envie de me faire mal aux fesses et aux jambes, quoi. J'ai envie de pleurer. Voilà.
Je viens de finir ma séance. Oh my god, ça fait tellement du bien, ça m'avait manqué. J'ai mal aux fesses, je sentais genre mes fesses et mes jambes en train de... Ah, il y avait du feu et tout, c'était trop bien. Limite, j'avais envie de pleurer. J'ai fini avec un peu d'abdos quand même. Because you know. Donc ça m'a fait grave du bien. Et je vais prendre une petite douche vite fait sans laver toujours les cheveux. Parce que, as you know, kids, on se lave les cheveux une fois par semaine. Et j'ai un événement dans le premier arrondissement. Donc j'y partir à l'événement. Et revenir ce soir. Et faire du montage jusqu'à ce que j'ai fini la vidéo YouTube. Edge, celle-là. J'ai la finir. Si je la finis, c'est bien, si je la finis pas, c'est pas grave. What the fuck am I kidding? Bref, j'ai l'impression qu'il y a trois personnes dans ma tête qui sont en train de parler. Je vais partir prendre une petite barre protéinée because I'm kind of shaking at this point. Je te jure, j'ai l'impression qu'on est hyper proche. Genre, on est... je suis très à l'aise avec toi. Je sais pas pourquoi. Je suis très à l'aise avec Marc. Tu vois? Je vais partir à tout de suite. Tu vas me voir changer, habiller dans 3, 2, 1. She ready. Voilà. C'est bouton qui a fait. C'est pas grave. Bon bah on y go. Let's go. On y va, on y va, on y va. Plus jamais j'ai fait ça. Plus jamais j'ai fait ça. Je connais. Les gars, il est 2h du matin, je suis toujours en train de faire mon montage. Je pense que je vais arrêter pour ce soir et continuer demain parce que là, là. Je vais. Je vais faire continuer demain. Good morning, guys! What's up, what's up, what's up? On est dimanche. On arrive à la fin du petit vlog. Aujourd'hui, je vais juste faire le grand ménage. Finir l'éditing de cette vidéo pour la poster à Césaire et prendre un bon bain et regarder ma petite série turque. Voilà. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as profité de ta semaine et de ton week-end. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. I danced in the desert in the pouring rain. Drank with the devil and forgot my name. Woke with somebody when the morning came. No one there to shame me for my youth. Cause it wouldn't be with you. And then I found me a lover who could play the bass. He's